Bien, bonjour à tous. Bienvenue à Sainte-Anne-de-la-Pérade où le Blizzard du séminaire Saint-François va affronter le séminaire Saint-Joseph. Donc, bon défi aujourd'hui là pour le Blizzard. Donc, le séminaire Saint-Joseph qui a une excellente fiche et qui semble être une des équipes à battre là, dans la LHPS. Donc, gros test aujourd'hui pour le Blizzard. Donc, voilà. Une dizaine de secondes avant qu'on soit prêt à débuter ce match. Voilà, on est prêt. Ah, là, évidemment, la poignée de main qui se donne avant le match, là, étant donné que on est à domicile pour le séminaire Saint-Joseph, donc la poignée de main se donne avant le match. On vous revient pour le début de la partie. Voilà, tout est en place. Bon match, mesdames, messieurs. Donc, dernier match avant le tournoi de Gatineau. Mise en jeu qui est remporté par le Blizzard. C'est Mainville là, qui file sur l'aile. Mainville. Dans le coin de la patinoire. Légaré sera là. Légaré. Bataille. C'est Matt à Mainville. Mainville à Matt. On tente, on bataille là, le long de la rampe et finalement, c'est Séminaire Saint-Joseph qui réussit à se réorganiser et à tenter une sortie de zone. Voilà. Et Mainville récupère. On voit son défenseur. C'est à Borne. Borne Bellefeinte. Borne toujours. Borne. Entrée territoire. Borne. Il y avait des changements. Là. Légaré va tenter de mettre de la pression pendant que les changements se complètent. C'est Séminaire Saint-Joseph qui va tenter de réorganiser son attaque. On tente une remise au centre. C'est coupé par Morinville. Morinville pour lui-même. Morinville se fait bousculer dans le coin de la bande. Morinville tente une passe, là, mais attention, là, il va y avoir un 2 contre 1, même 3 contre 1. Mais Boudreau arrive à temps. Boudreau là, qui se fait poursuivre par le numéro 8. Il a de l'air très rapide. Et c'est Séminaire Saint-Joseph qui installe son attaque. En zone du Blizzard. Numéro 9, belle feinte. Contourne le filet. Devant. Oh, un beau lancé là, au numéro 8 devant. Même ça a passé par-dessus la cage. Là. Donc, on avait oublié le numéro 8 en avant du filet. On tente la longue passe, c'était pour la liberté. Et le Séminaire Saint-Joseph qui va reprendre. Boudreau, dans son territoire, envoie pour la liberté. Le Séminaire Saint-Joseph qui récupère. Belle passe là, du Séminaire Saint-Joseph qui installe l'attaque. Dans le coin. C'est Saint-Joseph qui contrôle le disque. Beau contrôle de jeu là, de Séminaire Saint-Joseph et Boudreau va tenter de remettre. C'est pour Dumont. Dumont pour Fadevin Leblond, mais c'est un peu long. Est-ce qu'on a réussi à garder le disque en territoire? Non. Il va y avoir hors-jeu là. Donc on va reprendre en zone neutre. Fadevin Leblond là, qui est à la mise en jeu. L'enjeu qui est remporté par Séminaire Saint-Joseph. Mais pas de Leblond là, qui réussit à récupérer. Mais finalement, Séminaire Saint-Joseph qui est contre-attaque à 3 contre 2. On prend un lancé, ça rate à la droite Picard. Séminaire Saint-Joseph, attention, c'est dangereux. On a lancé qui a raté de peu encore une fois. Là. On a des belles chances là, de la part du Séminaire Saint-Joseph. Pas de Leblond pour Dumont. Dumont a tenté de déborder le défenseur, mais échappé le 10. Séminaire Saint-Joseph contre-attaque à nouveau. Bérubé dans le coin. Bérubé. C'est Séminaire Saint-Joseph qui reprend. Attention, lancé du défenseur devant Picard. Oh, Picard, là, beau déplacement de Picard. Là. On a le Blizzard là, qui en a plein les bras. Là.
C'est Nair Saint-Joseph qui conserve le disque. Et Bérubé reprend. Bérubé. C'est une passe pour Lampron, mais c'est Matt qui va reprendre. Et Dumont. Renvoie à fond de territoire, là, il va aller changer. On complète les changements. Donc Matt. Tente une passe, c'est repris par Saint-Joseph. Le dégagement en zone neutre. Borne devra se méfier, là. On met de la pression à 3. Et c'est Matt en zone neutre. C'est repris par Saint-Joseph. On va tenter une feinte. Bérubé reprend. Bérubé. Bérubé se fait bloquer la route. Bérubé, on met beaucoup de pression là, de la part du séminaire Saint-Joseph. Légaré. Finalement, Bérubé va tenter de reprendre et Légaré reprend. Légaré à Bérubé. Bérubé va tenter de se porter à l'attaque. C'est Lessard qui est là. On renvoie en fond de zone. Toujours 0-0 la marque, mais meilleure chance là, de la part du séminaire Saint-Joseph. On reprend. C'est Harvey. Harvey. Le long de la rampe. Et c'est Séminaire Saint-Joseph qui reprend. On va voir en fond de territoire. On devra se méfier là, de ces beaux jeux là, de la liberté. La liberté. On contrôle le disque. La liberté toujours. On va prendre un lancer. L'arrêt du gardien. Le retour. Et Saint-Joseph qui est contre-attaque. Séminaire Saint-Joseph, un lancer là, qui a passé par-dessus la cage de Picard. Pas devant Leblon, renvoie à Harvey. C'est Boudreau devant. Boudreau. Pas devant Leblon, tente de reprendre. Mais on coupe là, le jeu de la part de Séminaire Saint-Joseph. Attention! Devant, le tir, ça rate. Et ça a touché le filet, donc filet protecteur, on va reprendre à l'extérieur. Donc ça va vite, là. Séminaire Saint-François qui en a plein les bras. Donc on devra augmenter, le rythme. L'enjeu qui est remporté par Saint-Joseph. C'est Dumont. On renvoie à Bourré. C'était pour Dumont, mais c'est coupé là, par Séminaire Saint-Joseph. Belle feinte là, du joueur, mais Dumont, belle intervention de Dumont. Là. Et Lampron. Lampron se fait rattraper. Séminaire Saint-Joseph, là, qui le gardien qui immobilise. On va reprendre à sa droite. Avec 9 minutes 33, 0-0 la marque. C'est Matt qui est à la mise en jeu. C'est remporté par Matt. La rondelle là, qui est reprise par Mainville. Mais la rondelle sort du territoire. On devrait se méfier. Là, beau jeu là, de Borne qui a coupé le jeu. Mainville a tenté une passe à l'égaré. Il s'est repris par Saint-Joseph. Donc Joseph récupère dans son territoire. La sortie de zone qui est un peu longue, c'est Colin. Il est repris par Matt. Et là, c'est Légaré. En entrée de zone. Légaré tente un lancer, c'est bloqué. Et la contre-attaque là, de Saint-Joseph. 3 contre 2. Saint-Joseph en territoire du Blizzard. Oh, la passe d'avant, là, ça a été bloqué par Bel arrêt encore de Picard. Harvey. Harvey reprend. Il s'est repris là, par Saint-Joseph qui contre-attaque à nouveau. Le lancer, ça rate. Saint-Joseph en attaque. Contrôle le disque. Attention, Bellefinck. Devant. On tente de lancer, c'est bloqué. Beau jeu là, de la liberté qui a réussi à bloquer. Saint-Joseph reprend dans son territoire. Fait circuler le disque. On attaque. Belle passe là, de l'autre côté. La passe devant, attention. Le retour. Et Picard là, qui a réussi à bloquer. Attention, on tente le jeu là, à l'entour du filet, ça n'a pas fonctionné. Là, on était là du côté du bizarre pour contrer. On tente une passe d'avant bloquée par Bérubé. Mais là, on se défend là, du mieux qu'on peut du côté du bizarre, mais Saint-Joseph là, qui menace depuis le début du match. Saint-Joseph contrôle l'attaque en territoire du bizarre. Finalement, le disque qui glisse en zone neutre. On va y aller de changement là, du côté du bizarre.
Pendant que Saint-Joseph là, menace à nouveau. Belle manœuvre de Lessard qui empêche l'attaque. On récupère du côté de Saint-Joseph. En zone du blizzard. C'est Morinville. Et là, on a appelé une pénalité là, pour obstruction du côté du blizzard. Donc, j'aimerais voir la reprise. Là. J'ai pas vraiment vu là, la pénalité, mais bon. Cela étant dit, il va y avoir un avantage numérique pour Saint-Joseph. Donc, vous excuserez la caméra qui est un peu de côté, là, mais configuration, là, ici, j'ai pas le choix de l'installer de cette façon. Il y a un beau travail là, de Lambron. Et là, Picard qui immobilise. On va reprendre à sa gauche. 7 minutes 3 à faire en première période, 0-0 la marque, mais Séminaire Saint-Joseph là, qui a les meilleures chances là, depuis le début de ce match. Là, on a une revendication. Là. Enfin, je crois que la pénalité n'est pas affichée. Voilà. On va reprendre. L'enjeu qui est remporté par Séminaire Saint-Joseph. Qui installe son attaque à 5. Passe au défenseur. Lancé qui a été presque bloqué par Mainville. On renvoie ça de l'autre côté. Et Matt là, a failli intercepter pour envoyer ça à l'autre bout, mais ça n'a pas fonctionné. Séminaire Saint-Joseph continue à installer l'attaque. Saint-Joseph. Attention, numéro 8 qui s'avance. Il est dangereux, le tir, l'arrêt de Picard, le retour. Et bel arrêt de Picard à nouveau. Et Picard qui met fin à la menace. Là. Et ouais, et là, il va y avoir pénalité. Là. Le joueur de Saint-Joseph qui sera chassé. On va donner un coup de bâton. Donc, mise en jeu à l'autre bout. Donc, 4 contre 4. Donc 6-29 à faire en première. Toujours 0-0 la marque. L'enjeu qui est remporté par le Bizarre, mais c'est récupéré par Saint-Joseph. Le long de la rampe, on bataille à 4. Légaré, là, tente de reprendre. Et là, il y a un joueur qui a été blessé là, du côté de Saint-Joseph, donc on arrête le jeu. On va reprendre en zone neutre. Mise en jeu, c'est Lessard à la mise en jeu, accompagné de Légaré. Bourré et Colin sont là. Bourré. Une remise de l'autre côté pour Colin. Colin qui devra se méfier. Là, c'est Légaré qui reprend. Légaré pour Lessard. Légaré et Lessard. Lessard tente un lancer. Lessard toujours. La rondelle qui file dans le coin. Saint-Joseph qui contre-attaque. Saint-Joseph. On tente un lancer, ça a dévié. On va reprendre à la gauche de Picard. Donc, 1 minute 10, 33 secondes à la pénalité au Blizzard là, avant que le Blizzard bénéficie d'un avantage numérique d'un petit peu moins qu'une minute. On voit des forces fraîches de part et d'autre. 5:48 à la période. Toujours 0-0 la marque. Donc, on demande des explications là, du côté de l'entraîneur du Blizzard. On va reprendre. On a demandé quelques explications pour les pénalités. Alors, voilà, on est prêt. Le jeu qui est remporté par Saint-Joseph. On va dans le coin. C'est Bond qui est là. Compagnie de joueurs de Saint-Joseph devra se méfier là, pour éviter les pénalités. Contrôle le disque là, du côté de Saint-Joseph, mais belle intervention d'Harvey. Là. Donc à 4 contre 4, Harvey contrôle le disque. Harvey pour la liberté. La liberté, belle fin. La liberté pour lui-même. Là, c'est la liberté encore. La liberté renvoie devant. Là, la rondelle qui a dévié, là, ça aurait pu être dangereux pour Harvey. Mais beau repli là, de la liberté qui est revenu.
Bérubé échappe le disque, attention! On tente un lancer, ça a raté. Avantage numérique de 30 secondes là, pour le Blizzard. Borne. C'est repris par Potvin Leblanc. À Dumont. Dumont pour lui-même, mais c'est un peu trop long. C'est repris là, par Morinville dans son territoire. Morinville pour Potvin Leblanc, mais la rondelle touche un patin et la rondelle glisse en territoire de Saint-Joseph. Morinville reprend. D'autre côté, à Boudreau. Au centre, à Potvin Leblanc. Il renvoie ça en zone du Blizzard. 5 contre 5, la pénalité est terminée. Morinville pour Lampron. Non, c'était pour Dumont, pardon. Morinville toujours. Morinville reprend. À Potvin Leblanc. Morinville. On entre en territoire de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui va tenter de sortir de son territoire, c'est fait, mais repris par Morinville. On renvoie de l'autre côté à Boudreau. Boudreau pour Lampron. C'est un peu long. Saint-Joseph, là, dans son territoire. Défenseur qui rebrouche chemin. Va se blottir à l'arrière de son filet. Envoie ça au numéro 8. Belle sortie de zone, là, mais c'est été coupé. Pas de vin Leblanc. Pas un lancé. Oh, ça rate à la gauche du gardien. Là. Il est repris par Saint-Joseph. Pas de vin Leblanc. Attention, pas de vin Leblanc. Toujours pas de vin Leblanc. À Morinville, le lancé là, qui rate. La rondelle qui a quitté le territoire devra se méfier. Morinville devra se méfier. Heureusement, il y a des changements là, du côté de Saint-Joseph. On va pouvoir prendre le temps de réorganiser l'attaque avec 3 minutes 20 à faire. La passe qui est un peu longue, là, que ça glisse en territoire de Saint-Joseph et Mainville. Mainville s'avance. Mainville, belle feinte. Mainville se fait accrocher, là. Mainville là, qui s'est fait accrocher, mais puis, l'arbitre qui a rien signalé là-dessus, mais on était. Il y avait matière à pénalité là-dessus, là. Bon, on tente un lancer, c'est Légaré qui reprend. Légaré. Renvoie ça à l'autre bout, il y aura un dégagement qui sera refusé. Légaré là, qui a mal réagi là-dessus. On mise en jeu en zone du Blizzard. Hein. Avec 2,45 à faire en première période, toujours 0-0 la marque. C'est Lessard à la mise en jeu. Remporté par Lessard qui renvoie ça à Bérubé. C'est à Bourré, pardon. Bourré. Lessard intervient. Là, on devrait se méfier. Et Lessard remet à la liberté. Beau jeu de la liberté là, qui remet ça pour Harvey. Harvey là, qui va tenter de s'échapper. Mais beau repli là, du joueur de Saint-Joseph. Harvey. On voit de l'autre côté. On prend un lancer. Ça a dévié. Saint-Joseph qui va reprendre. C'est Colin qui récupère. Colin. La rondelle là, qui a collé. Et Harvey la reprend. La rondelle là, qui colle sur la surface. Et la liberté là, qui réussit à dégager son territoire. La liberté. On bataille à 4. À 5. C'est repris par Saint-Joseph. Attention. Devant. On prend un lancer. Ça a dévié. C'est bloqué. Puis, par joueur du Blizzard. Et bel arrêt de Picard. Là, avec 1,51 à faire. On va reprendre à la droite de Picard. Mise en jeu qui est remportée par Potvin Leblanc. La rondelle reste sous ses pieds. On devra se méfier. Attention. La rondelle qui est libre dans l'enclave. Et reprise par Potvin Leblanc qui file. Potvin Leblanc en contre-attaque. Potvin Leblanc tente un lancer. Ça a dévié. C'est un beau jeu là, de Borne là, qui empêche la rondelle de sortir du territoire, mais Saint-Joseph récupère pour une sortie de zone. Saint-Joseph en zone du Blizzard. Le lancer, ça a dévié. C'est repris par Saint-Joseph à nouveau. Attention dans l'enclave. Beau jeu là, de Potvin Leblanc qui coupe la menace. Potvin Leblanc. Décante. Potvin Leblanc. Belle feinte. En zone de Saint-Joseph. Potvin Leblanc. Se fait bloquer la route. Tente de reprendre. C'est Saint-Joseph là, qui tente un dégagement. La rondelle qui a fait un mauvais bond et Légaré tente de récupérer, mais ça n'a pas fonctionné. Matt. Matt qui renvoie ça à Légaré.
Légaré tente une feinte. Légaré. La rondelle lui a presque collé dessus. Ah! Ici, c'est Morinville là, qui a échappé le 10, malheureusement. Et heureusement pour le Blizzard, c'est Boudreau qui a réussi à sortir du territoire. Attention en zone du Blizzard. Devant Boudreau. Saint-Joseph avec 30 secondes à faire. Attention, c'est dangereux. En enclave. On tente l'arrêt. L'arrêt de Picard et le but, là. Malheureusement pour le Blizzard avec 26 secondes à faire. Saint-Minaire, Saint-Joseph qui prend les devants. Donc c'est malheureux, là. On avait une belle chance de l'autre côté. Saint-Minaire, Saint-Joseph qui prend les devants 1-0. Aucune chance pour Picard là-dessus, là. Un jeu qui est remporté par Saint-Joseph. On s'échange le disque là, du côté des défenseurs. C'est Lessard qui est là en pression. Bon. Pendant qu'on annonce le but de Saint-Joseph, Saint-Joseph qui tente de quitter le territoire. La rondelle qui file à l'autre bout. C'est Morinville qui est là. Morinville. Pour lui-même. C'est Harvey là, qui chute et voilà. C'est ainsi que se termine la période. On vous revient pour la deuxième période.